Vincent. Assis-toi. Assis-toi. Tiens, allez, gars. Ah, et doucement, putain. Brutiva. Couche-toi. Doucement. Doucement. Il n'est pas obligé de me castrer au passage. Allez, gros. Allez, gros. Allez, gros. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Stop. Halt. Stop. Une fois. Stop. Lâche. Lâche deux fois. Assis. Assis-toi. Assis. Tu m'as fait mal aux couilles, con. Couche-toi. Tu m'as vraiment fait mal aux couilles. Comme vous avez pu le remarquer, une fois que Black m'a castré, il a eu un recul, comme s'il allait prendre un coup. Ce comportement est dû à son passé, que je ne connais pas entièrement. Je ne relâche pas les efforts pour lui retirer ses peurs. Ça fait maintenant plus de 2 ans et demi qu'il est avec moi. Je connais seulement qu'une partie de son histoire. Il a déjà tellement changé et devenu un chien plutôt sociable avec les autres, contrairement à ce qu'il était. Avec lui, je suis passé par l'hyperattachement. Je suis quand même sa 4e ou 5e famille, alors que je l'ai eu à l'âge d'un an et 3 mois. Les fêtes approchent, alors s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'un chien n'est pas un cadeau, car malheureusement, dans ce cas, c'est le chien qui en paye les conséquences, alors que le vrai responsable est l'humain. Malgré tous les problèmes que j'ai dû gérer avec lui, je ne regrette rien. Le choix que j'ai fait de l'adopter, la seule chose que je regrette, c'est que les personnes qui ont pu lui faire du mal ont été punies. Sur ce message de prévention, la team et moi-même vous souhaitons une très bonne journée et de très bonnes fêtes. Stop.